on a préparé La Rochelle comme on a préparé les autres. Nous, ce qui va nous préoccuper là sur cette deuxième partie, c'est de continuer les formes de travail qu'on a mis en place sur les trois premiers mois et chercher à progresser, clairement. Voilà, on a plein d'axes, on est assez lucide sur où on est, sur le positif et sur les points améliorés. Donc voilà, gros objectif d'ancrer les choses qui fonctionnent et puis de progresser sur les autres. Et La Rochelle, on les connaît très bien depuis plusieurs années avec le résultat. Mais voilà, on a bien préparé ce match et voilà, on attend beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de dangers dans leur jeu et on va essayer de s'appuyer sur ce qu'on a entraîné dans la semaine et en espérant que ça va se bien passer. C'est une équipe qui aime avoir le ballon ? Oui, c'est une équipe dynamique qui s'appuie d'abord sur le jeu des avants. Beaucoup de jeux des avants, mais après derrière, oui, forcément ça va très vite. Ça va très vite avec les turnovers et voilà, après on connaît leur qualité derrière. Mais surtout, j'avais juste envie que nous on fait un match complet. On est allé à Toulouse et clairement c'est un peu pareil, le même style, des grosses équipes qui adorent jouer à la maison. On a fait un match un bon 40 minutes, mais moi j'ai envie d'aller à La Rochelle et faire plutôt un match complet sans regret, et on va voir à la fin qui est le vainqueur.